Eh bien, salut tout le monde de la communauté, c'est Jayzor, j'espère que vous allez bien, en tout cas, pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui les potes, on se retrouve sur GTA V Online pour vous présenter un énorme glitch d'argent de duplication en solo. Et oui, ça fait longtemps que j'ai pas présenté, je reviens en force sur GTA V Online en 1.58 sur toutes les plateformes, PS5, PS4, l'Xbox et sur PC. Donc vraiment, n'hésitez pas juste avant de commencer la vidéo de mettre un maximum de pouces bleus, un maximum de commentaires et de vous abonner à la chaîne YouTube, je compte vraiment sur vous, la communauté. Dans un premier temps, tout simplement, pour pouvoir réaliser ce glitch d'argent, tu devras posséder un centre d'opération mobile avec le dépôt de véhicules personnels, comme moi dans la vidéo. Voilà, donc c'est sur le site de Warstock. C'est super important les potos, vraiment, vous allez voir, c'est un gros glitch de duplication. Donc vraiment, n'hésitez pas d'en profiter au maximum. Ensuite les potos, il faudra que vous sortiez de votre salle d'arcade. Donc moi je suis dans ma salle d'arcade les potos, mais ça marche aussi avec les boîtes de nuit, il n'y a pas de souci. Moi je l'ai fait avec le salle d'arcade, mais faites comme moi dans la vidéo, c'est super important pour que ça fonctionne à 100%. Donc c'est un gros glitch d'argent les potos, vraiment n'hésitez pas d'en profiter au maximum. Une fois que tu es sorti de ton garage, tout simplement, tu vas devoir te diriger vers ton centre d'opération mobile, comme moi dans la vidéo les potos, et vous allez devoir tout simplement avoir dans un autre garage une easy anticipation que vous allez devoir mettre en dernière position dans votre centre d'opération mobile. Comme moi dans la vidéo les potos, donc moi je vais faire une duplication. Donc vraiment les potos, n'hésitez pas d'en profiter. Pourquoi je prends ce véhicule là? Parce que c'est un véhicule qui se revend plus de 1 750 000 $. Donc n'hésitez pas d'en profiter au maximum les potos si tu veux être riche sur le jeu GTA et profiter de la next gen. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que moi les potos je suis sur PS5 et je trouve que le jeu il est vraiment incroyable les potos. Donc là dans un premier temps, ce que vous allez devoir faire les potos, vous allez devoir faire comme moi dans la vidéo, vous allez devoir faire une petite manipulation. Donc vous allez devoir, c'est super important de faire comme moi, sinon ça ne fonctionnera pas. Et je répète les potos, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de rester connecté parce qu'il y a du lourd qui arrive prochainement, c'est super important. Et je fais une grosse dédicace au poteau Chronos, c'est grâce à lui que je peux présenter ce gros glitch d'argent, c'est une exclusivité de nous-mêmes. Donc vraiment restez connecté parce qu'il y a du lourd qui arrive prochainement. Donc là dans un premier temps, vous allez devoir sortir votre téléphone, appeler Lester et vous allez devoir tout simplement descendre en bas et vous allez demander une activité. Donc vous allez faire comme moi, demandez bien une activité les potos. Si vous faites pas cette étape là, le glitch sera foiré, je vous le dis tout de suite les gars. Donc voilà, donc vraiment n'hésitez pas vraiment de faire comme moi et respecter toutes les étapes pour ne pas rater la manipulation du glitch. Donc là j'ai appelé Lester, j'ai demandé une activité. Voilà, une fois que c'est fait, vous patientez quelques secondes. Normalement selon les chargements c'est super rapide, surtout sur PS5. Donc vraiment voilà les potos, n'hésitez pas d'en profiter et dites moi ceux qui sont sur PS5 ou PS4 ou sur Xbox 360 ou même tout simplement Xbox, excusez moi les potos, je me suis un petit peu trompé, Xbox One ou Xbox Series X, voilà les potos. Donc là vous patientez et normalement dans quelques instants, là les potos, on va vous envoyer une activité. Donc regardez les potos, ce que je vais faire c'est super simple, je vais me mettre tout simplement sur le côté. Donc là comme moi dans la vidéo, je vais me mettre sur le côté et je vais tout simplement avoir le message d'alerte. Donc comme si je voulais rentrer dans mon centre d'opération mobile. Donc regardez les gars, donc là j'ai une activité. Donc là faut patienter quelques secondes les potos, c'est totalement normal si l'activité n'est pas envoyée. Là je vais me mettre tout simplement ici là sur le petit parking là, et il faut que vous ayez ce petit message d'alerte pour garer votre véhicule dans le centre d'opération mobile les potos. Si vous n'avez pas ce message d'alerte, ça ne fonctionnera pas et il faudra recommencer depuis le début. Donc là regardez bien les potos. Donc là je patiente, je vais tout simplement me mettre sur le rond bleu. Il y aura marqué vous ne pouvez pas accéder à ce centre d'opération mobile, c'est normal. Il faudra que vous bougiez votre centre d'opération mobile, faire en sorte que vous puissiez tout simplement les potos avoir le rond bleu. Donc c'est super important comme moi les gars, sinon comme je vous ai dit ça fonctionnera pas. Quand j'ai positionné ma Elegy RH8 sur le rond bleu, vous avez bien vu que ça m'a mis ce message d'alerte. Donc c'est totalement normal les potes. Voilà. Donc là regardez les potes. Donc là je vais prendre, je vais déplacer mon centre d'opération mobile, je vais rentrer à l'intérieur, je vais faire tout simplement, donc je vais rentrer et je vais ressortir. Voilà, maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher tout simplement la Elegy. D'ailleurs, j'ai pas précisé dans la vidéo mais il vous faudra une Elegy RH8 à 0 $ pour pouvoir tout simplement la faire une duplication et qu'elle soit dupliquée. Donc ça sera, elle sera remplacée par la duplication les potes.
Je préfère le préciser pour les gens qui seraient pas au courant, hein, parce que c'est super important. Donc là, regardez les potes, tout simplement, je vais passer tout simplement sous le centre d'opération mobile. Là voilà, donc pour tout simplement, comme si vous vouliez vous téléporter, comme si vous caliez un véhicule à les poteaux dans un PNJ, enfin comme si vous allez chercher un véhicule de PNJ et que vous allez le caler pour faire en sorte que vous puissiez vous téléporter dans le véhicule. Donc là je peux me téléporter, là tout simplement je reçois, je vais sortir mon téléphone, je vais aller sur l'habitation de Martin, je vais la lancer les poteaux, il y aura marqué initialisation, donc d'ailleurs je précise que maintenant sur PS5 c'est initialisation et non chargement, ça a totalement changé les potes. Voilà, donc là je suis tout simplement dans l'activité et les potes, je patiente, donc le temps que j'arrive, etc. Voilà, vous faites bien comme moi, là vous allez avoir ce message d'alerte, donc vous allez faire rond, vous aurez le message d'alerte, vous allez quitter, comme moi dans la vidéo les poteaux, vous allez avoir encore un message d'alerte, vous allez valider le message d'alerte, comme moi les poteaux, et ça va vous ramener ici. Et regardez les poteaux si tout a bien fonctionné, juste en dessous, là vous allez atterrir sur une easy anticipation. Donc franchement les poteaux, le glitch a bien fonctionné, regardez bien, je viens de faire tout simplement une duplication, les poteaux, donc là il y a ma easy anticipation, là, elle a été remplacée par la Eleger H8, et regardez les poteaux, je vais rentrer tout simplement dans mon centre d'opération mobile, et il y a la duplication juste ici. Donc voilà les poteaux, donc là on a fait bugger le jeu, donc c'est une exclusivité mondiale, je remercie le poteau le poteau Chronos les gars, c'est grâce à lui que je peux présenter la vidéo, c'est une exclusivité de Chronos les poteaux. N'hésitez pas vraiment, si vous connaissez ce youtubeur, d'aller vous abonner, ça lui ferait extrêmement plaisir les poteaux. Voilà, et vraiment restez connectés sur la chaîne YouTube, parce qu'il y a du lourd qui arrive prochainement les poteaux. On revient en force sur GTA en 1.58 pour vous faire un maximum d'argent les poteaux sur toutes les plateformes, PS5, PS4, Xbox et sur PC. Et n'hésitez pas aussi de mettre des pouces bleus, de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo au maximum. Voilà les poteaux, n'oubliez pas, tout est vérifié. Ceux qui veulent des lobbies, il faut vous abonner, rejoindre mes réseaux sociaux qui sont en description. Restez connectés, vraiment je compte sur vous. Bref les potes, moi je vais vous laisser sur ces images, c'était Jaysor, je vous laisse tout simplement sur ce petit gameplay. Donc là, je vous laisse le choix d'aller vendre le véhicule, soit vous le gardez, soit vous allez le vendre, peu importe. Mais vraiment les potos, faites bien comme moi dans la vidéo, parce que c'est un énorme glitch d'argent, il est vraiment énormissime. Donc si vous êtes pauvre sur le GTA 5 Online, je vous conseille vraiment de réaliser ce glitch qui va te permettre de gagner vraiment beaucoup d'argent et être riche sur le jeu en vraiment peu de temps et te faire plus de 1 750 000 $. Bref, allez les potes, moi je vais vous laisser sur ces images. C'était Jaysor, je vous dis bon glitch et ciao tout le monde. Bye les potes.